Et voici le Anvil Valkyrie. C'est le dropship de Anvil. Un peu, c'est un peu le cut la style amélioré de chez Anvil. C'est un gros vaisseau expérimenté dans le, enfin spécialisé pardon, dans le fait de dropper des personnes, enfin du terrestre. Donc tout ce qui est militaire, paramilitaire, on verra ça à l'intérieur. On va d'abord faire le tour. On va d'abord faire le tour. Donc il a 4 vétoles, 2 de chaque côté, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Il a des tourelles dessus, dessous. Il a des remotes. Il a des remotes pour les chaque côté des ailes. Il a 2 trappes coulissantes de chaque côté, comme le Cutlass Steel, avec une marche, avec un marche-pied. On va voir ça au fur et à mesure. On va voir ça. Attention. Il a donc une énorme soute dans laquelle on peut ranger aisément un rover. Et de l'autre côté, on a une symétrie parfaite. Et du coup, une gimbal. Pas une gimbal, n'importe quoi. Une remote sur les ailes aussi. Allez, on va le visiter. Kubrorlai, comment tu vas? Alors du coup, là, on a le fameux hangar. Où on peut mettre les véhicules dedans. Donc le voilà. Donc du coup les rovers, les rocs et tout ça, tout ce qui est base partout, tout ce qui est base Anvil ne rentre pas dedans. Tout ce qui est en balista, tout ce qui est balista, centurion, tout ça ne rentre pas. Donc là on a les 10 sièges de drop de ce côté-là. On a 10 sièges de drop de ce côté-là. On a le siège pour la tourelle en dessous. On a 10 sièges de drop encore de ce côté-là, donc 20 personnes, 20 drops. Contrairement au Cutlass Steel qui est un peu moins important, puisque Cutlass Steel c'était. Je crois que c'était une vingtaine de personnes, un peu moins. Non, si c'est ça, une vingtaine de personnes, on est à peu près pareil. J'ai oublié, là on a les portes latérales. On a les portes latérales avec. Les Gatling de chaque côté. On peut pas les sortir. Si. Hop, déploy. Voilà. On a les Gatling de chaque côté en yellow jacket. Donc Gatling balistique. On va aller voir la toile du dessous. Il est beau ce ship, je trouve juste qu'il est suréquipé en tourelle et sous-équipé en armement pilote. C'est un peu dommage, mais bon, probablement justifié. Ça reste un dropship, on a du Panther. En fait, vu que tu transportes des gens, en fait, c'est pas un véhicule pour le pilote, en fait. C'est pas un véhicule qui se pilote seul, en fait. Parce que tu es censé assurer la survie, en fait, de ceux que tu as à l'intérieur. But, en fait, c'est quand même de comme c'est le but, c'est d'assurer leur survie en panthère. Du coup, c'est pas mal, les gens. C'est du taille 3, ça reste quand même correct. Et donc, du coup, le but, c'est comme c'est d'assurer leur survie. Le pilote, en fait, il est là pour assurer la pose et les tourelles sont là pour assurer la sécurité pendant le débarquement. En fait, non, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est normal en fait. Et du coup, on a la même chose de l'autre côté, on a la trappe. Alors, bon, faut la déployer à l'avance, hein. Et celle-là. Hop. On ne peut pas les bouger, c'est dommage, mais voilà. Tac. Et quand on la range, elle se range automatiquement. Contrairement au Cutlass Steel qui, elle a un mode de déploiement séparé de la prise en main. Alors, on a 2 lits de ce côté, 2 lits de ce côté. On a la tourelle dessus.
Voilà. Qui est encore équipé en Panthère. Warren. Elle est encore équipée en Panthère, donc c'est ça reste très correct. Voilà. On a un lit de ce côté. De ce côté-là, on a les commodités, hein, on sait jamais. Là, on a les deux sièges sur les remotes pour les remotes sur les ailes. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ça, c'est les remotes sur les ailes. Voilà, les remotes sur les ailes, donc de chaque côté. Warren. Hop, et Enter Remote 12, pareil. On est sur la sur le deuxième. On est quand même encore en Panthère. Hein. Donc, il y a vraiment que du. Il est full équipé taille 3 le vaisseau. C'est un. Il est très très bien équipé quand on est à plusieurs. Il y a même un système de reconnaissance plus tard. Il y aura un système de reconnaissance pour pouvoir rentrer dans le cockpit. On aura la possibilité de close de mettre une security lock en fait pour pas se faire récupérer le vaisseau. Ça c'est plus tard. Encore pour tout de suite, mais voilà. Et là on est sur deux Badgers en gimbal, donc on peut mettre largement deux Panthères en plus à la place de Badgers fixe. Et on reconnaît bien le tableau de bord de Chienville. Alors à mon sens, effectivement, c'est un, hop là, voilà, c'est un véhicule assez un vaisseau assez particulier puisque en l'occurrence seul vous ferez pas grand chose avec. Par contre, effectivement, dès qu'il est en full crew pour du drop, lui, il est absolument monstrueux, ce véhicule absolument monstrueux. Mais bon, ça reste quand même un véhicule avec un vaisseau avec particulier, je dirais. C'est pas tous les jours que vous allez drop 20 personnes, quoi. Et normalement, on va fermer la soute. On va fermer la soute pour voir. Je sais pas s'ils ont mis des boutons sur les côtés. Non, on a le rent. Non. On peut le rent, hein, mais. Ouais, on peut pas fermer la porte. Bon, bah, si on peut pas fermer la porte, tant pis. Donc ça, c'était le Anvil Valkyrie, le dropship de chez Valkyrie, de chez Anvil, pardon.